François Lesitata, merci de votre fidélité. Tout dans le parcours de jeunesse de notre invité le destinait à devenir prêtre. Il intégra donc logiquement le clergé martiniquais à la fin des années 60, après un parcours classique de séminariste. Il restera prêtre seulement 10 ans, parce qu'en même temps que sa vocation religieuse, il connut une succession de prises de conscience grâce à son sens aigu de l'observation. Et ce qu'il constata au sein du clergé, mais aussi de la société martiniquaise, le détourna de sa vocation plus vite qu'il ne le pensait. C'est cette séquence, entre autres, qu'il raconte dans le livre qu'il vient de publier, « Mon itinéraire dans l'église de Martinique ». Bonsoir Antoine Maxime. Bonsoir Monsieur Comouel. Alors, je suis vraiment très heureux de vous accueillir. Vous faites partie de ces personnes qui, à un moment de leur vie, ont cru avoir une vocation religieuse, se sont investies dans l'église, se sont engagées dans l'église et qui ont finalement, au bout de quelques années, changé de voie. Donc c'est un petit peu ce que vous allez nous raconter, et c'est aussi un parcours atypique que vous avez vécu. Oui, de toute façon, je suis donc orphelin depuis l'âge de 4 ans et demi où mon père est parti, je ne le connais même pas. Ensuite, ma mère est partie, j'avais 7 ans. Quand je dis parti, c'est mourir. Oui, donc je suis devenu orphelin et, disons, adopté par ma famille Roderick de Saint-Pierre. Mmh. Et donc c'est comme ça que mon histoire a commencé, passant d'une famille, ma famille d'origine, à une famille qui m'a adopté. Mmh. Et donc, je suis resté, 7 ans au Morne-Rouge. Mmh. Et je suis parti pour Saint-Pierre à partir de l'âge de 7 ans, justement. Alors, on va parler de tout ça en découvrant votre itinéraire personnel, d'abord dans la rubrique « Kimounouye ». Alors, vous avez un petit peu devancé, effectivement, la première photo de cette rubrique qu'on va voir tout de suite, parce qu'effectivement, c'est une église que vous connaissez bien. Oui, c'est mon église. Cette église que je voyais de bas, et par conséquent, j'avais l'impression que le clocher allait tomber à chaque fois. Et donc, c'est une église dans laquelle j'ai découvert ce que c'était qu'une liturgie, des gens qui priaient, qui chantaient dans une Donc c'est l'église Notre-Dame de la Délivrante du Morne-Rouge où vous êtes né. Avec le fameux père Rouard et le père Gallo, etc. Et donc j'étais dans ma petite savane juste derrière, à Font-Rose, et avec mon frère Yvon, et donc dans la savane, en train de s'amuser avec les oiseaux, les chevaux de monsieur un tel, etc. Mmh. Et nous avons passé cette année vraiment extraordinaire, dans la simplicité. C'était un temps Roubaix, par conséquent, juste après, disons. Et donc, on connaissait pas facilement ce que c'était que bien manger, bien boire. Oui. Mais par contre, on se suffisait de peu et on vivait avec ce que l'on avait. Et parce que vous avez vécu au Morne-Rouge, vous êtes né au Morne-Rouge quasiment au moment de la guerre. En 1939, voilà. Le 13 juin, oui, c'est ça. Et puis, vous avez vécu effectivement l'époque de l'amiral Roubert avec toutes ses privations, on va dire. Bien sûr. On faisait la queue pour acheter du pain, des choses comme ça. Donc, mais pour nous, enfants, ce n'était pas tellement important. C'était le fait de pouvoir être ensemble, jouer, aller à la rivière, pêcher cirique, essayer de mettre des merles, des pièges pour les merles, enfin, des choses comme ça, des choses très, très simples de la vie d'enfant. Dans la savane de Font-Rose. J'ai de souvenirs, très peu de souvenirs, mais j'ai le souvenir d'avoir été très heureux, même dans une période si difficile. Et vous avez très très rapidement été sensibilisé à la vie religieuse, d'où effectivement la photo de l'église, mais pas seulement, parce qu'on va voir aussi la photo suivante où on vous retrouve enfant de cœur. Oui, mais là tout de suite, une fois arrivé chez mes parents adoptifs à Saint-Pierre, ma mère adoptive a pensé qu'il fallait quand même que me mettre dans une orientation, enfin, me protéger et éviter que je devienne un vagabond. Et donc, elle m'a tout de suite mis en contact avec le clergé, non pas du Morne-Rouge, mais celui de Saint-Pierre. Et donc, j'ai été enfant de cœur très vite, j'ai appris très vite les réponses, questions-réponses en latin, alors que je savais à peine parler bien français. Je connais bien mon créole, mais c'est pas le français. Le français, j'étais tout juste en train de découvrir comment on parle français. Là, il fallait parler latin. Donc, j'ai été enfant de cœur avec le père Delaward et le père Vénard aussi. Et c'est comme ça que je suis entré dans un monde que je ne connaissais pas. Un monde où il y a tellement de choses bizarres,
La liturgie, c'était quelque chose de fascinant. Les habits, les objets sacrés, etc. Donc, je suis entré dans ce monde-là très, très vite et tout doucement, comme j'étais un enfant certainement sage et qui faisait ce qu'on lui demandait, on m'a dit, monsieur, là, il va devenir prêtre. Et le père de la Roise m'a demandé si je voulais faire un petit prêtre. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et donc, il a demandé ça à ma mère adoptive et c'est comme ça que je suis entré au séminaire très, très vite, vers l'âge de 11 ans. Et on va vous retrouver justement au séminaire collège, donc, oui. Qui était à l'époque, enfin, qui est un établissement religieux. Religieux. Oui. Et là, vous êtes en classe de seconde. En classe de seconde avec le père Vacheron. Et à gauche, je vois mon copain Gérard Biogos, et puis toute une série de gens. Je vois Goucard, dont le père avait la brasserie Lorraine, Serge Bellon, Palsy, Montlouis, et Edmond, etc. Des copains avec qui nous passions d'excellents moments, mais dans un établissement particulier, puisque c'était tenu par les pères spiritains qui étaient tous des blancs, et qui étaient, en majorité, les élèves étaient des élèves soit de Becquet, soit des élèves de parents riches. Quoi. Et nous séminaristes, nous étions dans un petit groupe avec le père Théon, pour nous préparer un petit peu à devenir prêtre. Donc on faisait quand même un peu tâche. Hein. Comment est-ce que vous avez reçu cette éducation religieuse? Alors, la première chose, c'est que dans la famille d'origine, je ne me souviens pas avoir prié, mais dans ma famille d'adoption, on m'a appris des prières de base. Et une fois enfant de cœur, ben, je savais prier les prières ordinaires. Et c'est sûr que je ne me posais pas de questions. Hein. Ouais. On ne me demandait pas mon avis. Et au séminaire collège, nous avions des rencontres. Nous avions la messe tous les jours. Et nous avions des rencontres entre séminaristes. Je crois que c'était tous les mercredis ou tous les jeudis. Tous les jeudis, je crois. On se réunissait dans une salle. Il y avait une prière, il y avait une méditation. Et puis, il y avait également des conférences et des lectures de saints, des choses comme ça. Oui, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà, vous aussi, en tête, parce qu'on avait apparemment, vos parents adoptifs l'avaient en tête pour vous, d'envisager un engagement religieux? Non, c'est-à-dire que je crois que les choses se sont passées par le canal du père de Lawande qui a demandé à ma famille, est-ce que vous ne pourriez pas l'envoyer au séminaire? Et donc, moi, je ne voyais pas d'inconvénient, je n'avais pas d'autre sujet dans ma tête. Et donc, une fois arrivé au séminaire, pour moi, c'était devenir prêtre un jour. Et donc, toute ma vie, ça a été devenir prêtre un jour. Et pour ça, ben, vous étiez presque conditionné pour ça. C'était quelque part, oui, le conditionnement. Donc, on ne m'obligeait pas, mais quelque part, oui. On me mettait dans des conditions où je n'avais pas mon mot à dire, sinon oui. Et donc, ce n'était pas non plus difficile, mais ce n'était pas forcé. Hein. Donc, on ne m'a pas plongé dans quelque chose, dans une prison, non, pas du tout. Donc, on m'a inséré dans un mouvement et je suis allé tranquillement à apprendre à prier, à apprendre à connaître les chants religieux, à aller à la messe régulièrement, etc. Ouais. Alors, on va reparler dans la deuxième partie de la suite de votre itinéraire au sein de l'Église. On va là parler un peu de la famille et notamment de vos parents adoptifs. Vous l'avez dit, hein, vos deux parents naturels sont décédés très tôt. Oui. Et puis alors, j'étais donc, disons, adopté par une des cousines de mon papa. Donc, on voit Alice Roderick, Alice Guéridra, et avec son mari, mon père adoptif, qui a été un ancien de la guerre de 14-18. Ouais. Il avait d'ailleurs une blessure à la jambe. Et donc, Alice, elle avait une boutique, c'était une commerçante née. Et donc, eux, ils m'ont accueilli chez eux. Et en fait, ils ont tout fait pour que je puisse, disons, prendre le bon chemin. Quand on perd ses parents si jeunes, alors forcément, c'est une douleur, mais qu'on ne ressent pas forcément comme celle qu'on ressent peut-être quand on perd des parents alors qu'on est déjà plus adulte et qu'on a conscience des choses. Comment on fait pour changer de vie, pour s'intégrer, pour apprendre à aimer finalement d'autres parents? Oui, alors c'est sûr que c'est une vraie question, parce que quand on est petit, on vous offre quelque chose, vous le prenez. Oui. Et donc, quand ma maman est morte, j'étais à côté du cercueil et je me demandais, mais ce que je faisais là, je voyais ma sœur pleurer, je me disais, mais maman, oui, je sais qu'elle est morte, puisque je l'ai vue au sanatorium du Carbet une fois seulement, et elle est morte, donc je me suis dit, c'est quoi la mort? Donc, ça a été difficile de s'insérer dans une famille, mais quelque part, je n'ai pas le choix. Et par conséquent, lorsque mes parents adoptifs m'ont demandé si je voulais changer de nom, j'ai dit non.
parce que je savais que j'avais un papa et une maman, même s'ils étaient morts. Et donc, ça n'a pas été trop difficile parce que j'avais des parents qui me stimulaient, qui me disaient, hey, maman, il veut qu'on monte en l'air. Mmh. Et donc, qui me poussaient à prendre des responsabilités, à faire des tâches ménagères, etc. Et j'ai appris plein de choses avec eux. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai pas eu le temps de penser à ma souffrance. Mais vers de 14, 15 ans, j'ai commencé à me rendre compte de ce que c'est que ne pas avoir de papa et ne pas avoir de maman. Et vous êtes passé donc du Mont-Rouge à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, oui, avec eux, oui. Tout à fait. Et vous avez eu aussi un frère adoptif qui est arrivé plus tard, en fait. Alors, bien sûr. Leur enfant, qu'on va revoir sur la photo suivante. Oui, c'est-à-dire que j'avais, donc, dans notre famille, nous étions donc 5 frères. Oui. Et, on va les retrouver tout à l'heure. Tout à l'heure, on s'est séparés. Et donc, quand je suis arrivé chez les parents Roderick, ils n'avaient pas d'enfant. Donc, le fait d'avoir un enfant chez eux, ça a peut-être déclenché cette espèce de déclic. Et en fait, une année après, il y a eu Marie-Jo, ma sœur qui est née, et Edmond, que l'on voit là, qui est venu une année également en 47-48. Et en fait, j'ai été adopté, mais également j'ai adopté mes nouveaux frères et sœurs. Ouais, ouais. Et on va vous retrouver aussi, alors c'est une photo, je crois qu'elle a été prise à Sainte-Philomène, qui est une des plages de Saint-Pierre, avec un cousin, je crois, c'est ça? Voilà, c'est Ernest, le cousin germain d'Edmond, mon frère adoptif. Et effectivement, nous sommes sur la plage de Sainte-Philomène, puisque de Morne-Rouge, je suis descendu à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, je suis allé à Sainte-Philomène, à la Pointe-la-Mars, là où du Bruchère. Et c'est là où j'ai vécu pratiquement une bonne partie de mon adolescence. Mmh. Et là, nous sommes sur la plage, les deux costauds. Là. Oui, deux athlètes, hein, oui. Et donc, on a vécu c'est là où j'ai appris à me baigner dans la mer du pêcheur, à tirer la Seine, à connaître le nom des poissons, et puis à apprendre plein de choses sur le plan de l'agriculture, aller dans les terrains à l'amitié, découvrir ce que c'est que les plantations de carottes, de navets, de maïs, de tomates, etc. Donc j'ai appris à vivre et à faire plein de choses avec les gens qui passaient dans la maison et qui faisaient des travaux. Donc j'ai appris plein de choses. Je suis devenu un peu bricoleur, un peu partout. Et puis on va retrouver là votre famille naturelle avec d'abord vos deux sœurs. Alors, je sais que tous vos frères et sœurs sont décédés aujourd'hui. Vous êtes tout le monde, dernier. Oui, je suis le dernier. Alors là, dans la première, disons que ma famille Maxime, nous étions trois. Il y avait donc Yvon, mon frère qui est mort en 2015. Il y a Marie-Hélène, notre aînée, qui était donc placée chez les renards au Morne-Rouge. Nous avons très peu vécu ensemble, mais c'était ma sœur adorée. Et puis, il y a eu, moi, le dernier. Et puis, avant nous, il y avait, donc, maman avait eu un enfant de Monsieur Patrice, Gérard, qui est décédé. Ensuite, il y a eu les Pierre-Louis. Maman a eu trois enfants avec les Pierre-Louis. Donc, Robert, Raphaël et Bernadette, qui est également là. Et puis voilà, nous avons eu les trois Maximes. Et on va retrouver, donc là, ce sont vos sœurs, et on va retrouver vos frères, donc cinq garçons. Voilà, alors, cinq garçons, donc il y a eu Gérard, Patrice, il y a eu les deux Pierre-Louis et les deux Maximes. Mmh. Donc ça fait, nous étions les cinq garnements, avec beaucoup d'affection. Nous n'avons pas vécu beaucoup ensemble. Mmh. On était très heureux de se rencontrer. Là, nous étions chez Gérard au Morne-Rouge. Et celui dont vous étiez le plus proche, c'était Yvon. Voilà. Ah oui. Parce que nous avons... Qui est à côté de moi. Nous avons vécu quoi, deux ou trois années ensemble seulement. Après, il a été séparé. Il est d'abord passé chez les Roderick, mais ça n'a pas marché parce que c'est un rebelle. Et puis... nous nous sommes rencontrés, j'avais 15 ans, il est venu me voir au séminaire collège et nous avons commencé à reprendre contact les uns avec les autres parce que nous avons connu de séparation en séparation, de rupture en rupture, de décès en décès. Ça a été une expérience de vie assez bouleversante. Alors vous avez vous-même fondé votre propre famille, alors on va comprendre dans quelles circonstances dans la partie suivante. Oui. On va vous retrouver là, donc c'était après que vous ayez quitté l'église, on va vous retrouver en famille, alors je crois que vous étiez là dans l'Hexagone. Oui, nous étions à Paris avec Marie-Flore, ma première épouse, avec mes deux enfants, Marco et Didier. Donc ça c'est juste après quelques années après alors, que vous ayez quitté l'église. Ah oui, entre-temps il y a eu bien sûr sept années de séminaire, de petit séminaire et six années de séminaire à Rome.
Et ensuite, je me suis donc j'ai quitté le célibat ecclésiastique, j'ai quitté le clergé, je me suis engagé et sur le plan professionnel et sur le plan familial. Et là, et vous aviez déjà une quarantaine d'années à ce moment-là. Oui, 35-36 ans, oui, c'est ça à peu près. Oui. Et puis, on vous retrouve ensuite avec celle qui partage votre vie aujourd'hui. Oui, Jeanne. Oui, alors là, nous avons, donc après ma séparation de ma première épouse, bon, j'ai donc rencontré Jeanne et nous avons, c'est grâce à elle que j'ai pu voyager. Là, nous étions au Mexique, j'ai pu voyager aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire et également au Sénégal. Et puis, elle m'a appris à passer du continent froid au continent chaud, de m'ouvrir sur le monde, alors que je connaissais déjà un peu l'Europe, surtout la France, la Belgique et puis la Suisse. Mais là, vraiment, je me suis ouvert sur d'autres continents. Et avec Jeanne, vous avez formé une famille recomposée. On va vous retrouver sur cette très jolie photo lors d'un mariage d'une de vos belles-filles. Voilà, Jeanne avait deux enfants. Donc il y a celle qui se marie, là, Sally, et puis celle qui est en bleu, Yona. Et puis mes deux garçons et Marie-Laure qui est juste à gauche. Mmh. Et puis voilà, c'était à l'occasion du mariage de Sally à Paris. Et je trouve que c'était extraordinaire ces moments-là de pouvoir partager. C'est des moments autour de l'amour, autour du partage et puis de la joie de vivre ensemble. Finalement, c'est une autre façon de vivre l'amour que celle que vous avez connue dans l'Église. Ah oui, parce qu'en fait, je crois que j'ai connu l'amour de Dieu d'abord. Mmh. Puisque mes parents, je connaissais pas l'amour des parents, mais je savais bien qu'on m'aimait. Mais celui que j'appelais mon père, c'était Dieu. Et celui que j'appelais mon peuple, c'était le peuple de Dieu. Oui, il y avait une forme d'aveuglement. Oui, ou de présentation, disons, de la doctrine religieuse, avant de découvrir, en fait, ma propre histoire, ma propre identité, et puis surtout le fait d'être capable d'aimer, d'être aimé, et de partager l'amour, y compris dans sa dimension sexuelle, ce qui n'existe pas dans l'éducation du clergé, à l'époque en tout cas. Une autre photo, alors là, avec une partie de avec votre compagne Jeanne, je crois. Oui, et puis aussi avec des membres de votre famille. Oui, alors là, on voit Yvon, mon frère, avec sa femme Gisèle devant. Et puis, il y a des amis, justement, du Sénégal, Patricia, Aziz, et puis Jeanne. Et nous étions au Sénégal. Et donc, c'était l'un des premiers voyages que nous faisions. Le premier voyage que j'ai fait avec mon frère, avec Jeanne bien sûr, mais avec mon frère et ma belle-sœur. Et ça a été des moments extraordinaires. On a passé des moments extraordinaires parce que nous avons découvert ensemble un pays dont on rêvait sans y avoir mis les pieds. Oui. Et ça a été pour nous de découvrir non seulement le pays, mais découvrir les personnes et de partager encore l'amour entre nous de manière assez simple et joyeuse. Et puis une photo, on termine avec une photo qui pourrait surprendre vous concernant, c'est une photo de carnaval. Monsieur Maxime a fait le carnaval. Donc. Eh bien oui, quand je suis revenu en Martinique avec ma famille, vous pensez bien que je n'étais pas le bienvenu pour beaucoup de gens, j'ai renoué avec ma culture, et le carnaval fait partie de notre culture, et là je me suis permis. Et là en plus, c'était dans le cadre de l'ADAPI, là. Nous avions organisé, parce que j'avais mis en place des ateliers occupationnels, et nous avions organisé un carnaval pour les jeunes. Et là, nous avons notre ami André Bouchet avec son chapeau, avec le président Kéclard, je crois qu'il est juste derrière, me semble-t-il. Et puis Simone, des amis, nous avions organisé un carnaval pour les jeunes. Et je m'étais déguisé et j'avais pris une voix particulière et les jeunes ne m'avaient pas reconnu. Et quand après j'ai pris ma voix normale, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ouais. Et ça a été également des moments de bonheur. On en arrive maintenant à votre parcours dans l'Église, Antoine Maxime. Oui, oui. C'est la rubrique Martinique, mais on va voir qu'on ne restera pas en Martinique. D'accord. Donc Antoine Maxime, on l'a vu à travers ses engagements de jeunesse. Je le disais au début, tout vous prédestinait en fait à vous engager dans l'Église. Oui, je suis tombé dedans, on va dire ça comme ça. Vous disiez que vous étiez formaté. Oui, quelque part, oui, parce que ce qu'on m'apprenait, je le prenais, je ne me posais pas de questions, et je le prenais comme la vérité et tout. Hein.
Donc, je crois que je suis entré dans un cadre, non seulement dans familial, où on me disait qu'il fallait faire ceci, cela, mais également dans le cadre clérical, au séminaire collège, où on nous disait, voilà ce qu'il faut faire pour être un bon séminariste, pour être un bon prêtre, il faut faire ceci, cela. Parce qu'à l'époque, quand on intégrait le séminaire, c'était souvent pour continuer dans la voie séminariste. C'est-à-dire, on commence par... c'est le curé de la paroisse qui vous envoie au petit séminaire, mais là, c'est des études ordinaires que l'on fait avec des espaces pour les petits séminaristes de prière et de méditation et de la messe, etc. Mais le séminaire collège, c'est un établissement scolaire tenu par des religieux qui accueillait donc des jeunes, des enfants de la... Je crois que c'est depuis la 7e, à l'époque, qu'on disait 7e, 6e, 7e, jusqu'au bac à l'époque. Oui, c'est ça. Et donc je suis entré au séminaire et... on nous apprenait comment faire pour devenir de bons prêtres. Et donc, il y avait la dimension, il y avait la discipline, il y avait la morale, il ne fallait pas regarder les filles, il ne fallait pas s'intéresser à la sexualité, il fallait surtout prier, bien travailler, être correct, bien avec les copains. Et très bien habillé, comme on va le voir sur cette première photo de la rubrique matinique. Oui. On va vous retrouver... Ah ben à l'époque, on était... Ah oui, moi je n'avais pas eu la chance d'avoir un lavalier comme Veynum qui s'appelle. Mais en fait, là c'était la tenue du séminariste, la chemise blanche et puis... Pas seulement les séminaristes, du collège, chemise blanche et pantalon bleu. Ouais. Et c'était à l'époque, on commençait à mettre des grands pantalons, parce qu'avant c'était des shorts. Oui, oui, tout à fait. Et donc là, nous étions là dans toute l'équipe. Là, il y a Blanchard qui n'est pas de Martinique. Et là, on vous voit où, là, sur cette... Alors, je suis en haut, au milieu. Et à ma gauche, il y a Victor Permal, et à ma droite, il y a Gérard Burgos. Et Bellon juste avant, etc. Donc Bellon, lui aussi, il était à Rome avec moi. Il fait 2 années à Rome et il a arrêté. Au niveau de l'enseignement lui-même, vous le trouviez à l'époque assez strict, assez exigeant? Non, l'enseignement, disons, de l'école, il fallait travailler comme tout le monde et essayer d'être les meilleurs. Moi, j'étais moyen. Donc, je n'étais pas parmi les grands chefs. Mais par contre, excellent en football. Je crois que j'aurais dû faire une formation de footballeur. Et puis, nous avions des rencontres où on nous lisait des livres de saints pour nous donner des modèles, quoi. Et c'est comme ça qu'on intégrait un certain nombre de choses que l'on croyait, disons, des choses toutes faites. Et là, vous commenciez à prendre conscience du fait que les modèles qu'on vous présentait étaient souvent des modèles extérieurs à notre culture. Pas encore. Non, pas encore. Moi, je buvais tout ce qu'on me disait. Et on parlait de Dominique Savio, de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint-Curé d'Ars. En fait, des gens, des modèles, soit de prêtres, de religieuses ou de gens, qui nous donnent envie d'être des saints. Donc, ce n'était pas méchant, ce n'était pas négatif. Mais au point de finalement vous engager effectivement dans ce séminaire à Rome, comme on va vous retrouver là avec le seul noir parmi tous ces séminaristes. Nous étions deux. On vous aperçoit un petit peu derrière, exactement. Vous étiez deux. On était deux. Il y avait Bellon, Serge, et puis moi-même. Alors, Bellon, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est quelque part. Ah oui, il est en bas, deuxième rangée. Oui, tout à fait. Donc, nous étions deux pruneaux. Alors, en fait, au petit séminaire, on n'a pas d'engagement du tout. Et c'est avant de partir en Martinique que Monseigneur de la Brunelière, pour faire des économies sur le voyage, nous a fait prendre la soutane, chacun dans sa paroisse. Et une fois qu'on avait la soutane, ça y est, on était entré dans le truc, quoi. Et du coup, on est parti à Rome en soutane. Et arrivé au séminaire... Donc vous êtes parti en 1958. Hein, 1958. Et donc à ce moment-là, on commence à prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire qu'on entre dans le clergé parce qu'on a la tenue du clergé, on apprend la philosophie thomiste, la théologie de saint Thomas d'Aquin et pas une autre. Et puis on s'ouvre quand même sur d'autres théologies, d'autres philosophies, mais on est dans la ligne de ce que l'Église veut faire de nous, c'est-à-dire des prêtres avec une formation précise, dans une orientation précise. Et malheureusement, à l'époque, ce qui nous paraissait, la manière dont on présentait la philosophie et la théologie, c'était de présenter ce que notre Église demande, et puis ce qu'on appelle les adversaires. Et dans toutes les thèses de philosophie, il y avait toujours les adversaires. Et en théologie, c'est pareil. Il y avait ce que l'Église proposait, et puis les adversaires, ce qu'ils pensaient. Or, j'étais dans cette affaire-là, où j'étais quelque part, et il y avait les adversaires en face.
Et il y a eu ce pèlerinage en Terre Sainte. On va vous retrouver donc en Israël. Alors oui, en 1962, une tante à moi, tante Jenny, ça c'est au séminaire français de Rome. Avec une tenue particulière, le chapeau, la soutane, et chaque séminaire avait sa tenue. Nous étions en noir, etc. Donc là, vous êtes à Rome, et donc sur la photo suivante, où je crois qu'on va voir cette procession, là, par contre, vous êtes en 1962, je suis à Rome, mais il y a une de mes tantes qui me propose, qui m'offre un voyage en Terre Sainte. Donc là, nous sommes, je ne sais pas si c'est à Jérusalem ou à quelque part, en train de faire une... Ah oui, je crois que c'était avec les rameaux. C'était les rameaux. Oui, tout à fait. Et donc, ça a été pour moi un pèlerinage qui m'a aidé à découvrir la Bible sur le terrain. C'est-à-dire les personnages bibliques comme Abraham, etc., mais sur le terrain. C'est-à-dire les personnes qui animaient ce pèlerinage, c'était un fameux père Perrault, et c'était des gens qui nous donnaient une autre dimension, une autre approche de la Bible que je n'avais pas à Rome. Et ça m'a ouvert sur des perspectives beaucoup plus intéressantes. Et depuis, je crois que j'ai commencé à découvrir ce que c'est que la Bible. Et vous étiez là, pardon, en plein dans votre vocation. Vous viviez votre vocation à fond. C'est-à-dire que depuis tout petit, on nous dit que tu as la vocation. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, Dieu t'a appelé. Donc si Dieu m'a appelé, je ne vois pas comment je peux dire non. Et puis, ça n'a rien de mauvais. On me dit que Dieu m'a choisi. Ben, j'ai de la chance. Au petit séminaire, on continue à comprendre que nous sommes choisis par Dieu pour devenir prêtres. Au grand séminaire, on continue à nous induire dans cette direction-là. Alors, nécessairement, on prend conscience que effectivement, c'est une vocation. Je crois que on ne se pose pas beaucoup de questions parce que je n'ai pas une autre orientation de ma vie. J'allais dire, on m'avait intégré, on m'avait poussé dans un conditionné quelque part, et à la limite, je ne voyais pas d'inconvénient. Ouais. Et c'est comme ça que l'on dit la vocation. Après coup, bien sûr, j'ai commencé à remettre en question ce que c'est que la vocation. Vous étiez conditionné au point de même partir en vacances chez Saint-François d'Assise, en Italie, c'est ça ? C'est-à-dire que quand on était à Rome, bien sûr, coupé de notre famille, coupé de notre pays, on essayait de s'organiser pour partir, profiter, pour connaître un petit peu l'Italie. Et on voulait connaître justement Saint-François d'Assise avec toute sa philosophie qui nous plaisait beaucoup. Et là, c'était les vacances, je ne sais pas, de Noël, je ne sais pas de quelle année, et avec mon ami Germain Beauvoin. Qui était votre aîné. Qui était mon aîné, que j'aime beaucoup et qui nous a quittés malheureusement il y a deux ans. Eh bien, Germain, on avait été donc à Saint-François, à Assise, et pour découvrir la philosophie, la spiritualité de Saint-François d'Assise. Et puis, vous décidez, vous avez l'opportunité plutôt de revenir en Martinique, même si vous avez fait d'abord vos classes militaires auparavant dans l'Hexagone, c'est bien ça ? C'est-à-dire qu'une fois à Rome, le supérieur, on appelle ça le supérieur du séminaire, me dit « Monsieur Maxime, il faudrait que vous partiez pour votre service militaire. Ouais. » À l'époque, il fallait aller en Algérie. J'ai dit « Je ne veux pas aller en Algérie, qu'est-ce que je vais faire ? Tuer des gens en Algérie ?» Non, je vais retourner chez moi. Alors, ils ont fait le nécessaire et j'ai pu quitter Rome en 64 pour venir en Martinique un service militaire adapté. Et donc, j'ai fait deux semaines, 15 jours à Dijon, et puis je suis revenu en Martinique au séminaire collège, j'ai fait 2 jours à l'armée, j'étais professeur séminaire collège. On va vous retrouver justement avec les élèves que vous encadriez à l'époque au séminaire. J'étais responsable de la 6e 2. Je reconnais encore des têtes de la 6e 2 avec donc un missionnaire qui était juste à côté de moi. Et donc, pendant 2 années, j'ai enseigné l'anglais, que je ne connaissais pas mieux que les autres. Mais j'ai dû enseigner l'anglais, la musique, et puis j'étais responsable d'une classe, c'était celle-là.
Vous voyez un petit peu, où, là aussi, nous étions que quelques pruneaux. Hein, dans... et donc, au séminaire, vous disiez que, vous dites dans votre livre, mon itinéraire dans l'Église, oui. Vous dites que vous avez retrouvé finalement au séminaire un séminaire un peu structuré comme il était quand vous l'avez quitté. Ça n'a pas changé. On retrouve un peu les mêmes, oui. Le même public, on va dire. Oui, c'est le même public. Alors, les élèves étaient les mêmes, c'est-à-dire majorité des enfants d'une classe sociale. Des béquets, et puis les autres. De milieu, les séminaristes étaient tous plus ou moins de milieu pauvre, en tout cas simple. Oui. Et donc ça n'a pas changé. Par contre, ce qui changeait, c'est qu'il y avait de plus en plus d'enseignants laïcs, et donc qui remplaçaient les prêtres en question. Et donc un peu plus de Martiniquais à ce moment-là. Un peu plus de Martiniquais, et de plus en plus de Martiniquais. Enfin, Martiniquais, les béquets sont Martiniquais aussi. Mais plus oui, non, mais je parlais des enseignants. Des enseignants, oui. Il y a plus de Martiniquais, effectivement, des jeunes. Blamèbe, Christian, et toute la bande qui m'ont aidé d'ailleurs à découvrir le métier d'enseignant. Et puis il y a eu aussi à cette époque les camps Bible, vous me disiez. Que vous animiez. Alors, pendant les deux années que j'ai passées à la Martinique, j'ai pris contact avec la cathédrale où il y avait donc la réforme liturgique, et donc avec Gérard Biogos, on commençait à animer les messes de jeunes à la cathédrale. Et donc, il y a des gens que l'on reconnaît bien, là, d'ailleurs, et qui... Je crois qu'il y a, entre autres, Miguel Laventure. Miguel, hein, oui, exactement. Et je crois que Luc est quelque part aussi. Luc était de l'autre côté, oui. Et donc, c'était un groupe de jeunes que nous rencontrions régulièrement. Nous visitions la Martinique pour découvrir le pays, etc. On échangeait sur la Bible, sur les questions des jeunes, etc. Et nous avions décidé de faire un camp Bible, c'est-à-dire plusieurs journées sur la Bible avec le père Perrault qui avait conduit le pèlerinage en Terre Sainte. Il est venu ici et ces jeunes-là ont découvert avec nous la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et puis on arrive en 1966 et là c'est pour vous la consécration. Alors à la fin des deux années de séminaire d'enseignant, de VAT comme on dit, c'est moi qui ai demandé à l'évêque est-ce que je pouvais être ordonné avant de partir. Et d'habitude ça ne se faisait pas, je ne fais jamais les choses comme les gens. Et lui m'a dit, ben écoutez, je vais consulter les collègues, les confrères, et puis il y a deux ou trois gars qui n'étaient pas très pour, mais sinon les autres ont dit, il n'y a pas de problème. Et ça a été mon ordination en octobre 66 à la cathédrale de Fort-de-France. Et là, il y a Monseigneur La Brunelière qui est le célébrant principal, l'archevêque. Et puis à côté, il y a Maurice Marissin qui par la suite est devenu archevêque de Martinique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que ça a été véritablement un moment clé de votre cheminement? Oui, c'est important parce que toute mon adolescence visait justement l'ordination sacerdotale, devenir prêtre. Pour moi, c'était mon premier projet de vie. Et donc, j'ai fait ça très sérieusement. Et donc, pour moi, j'étais très heureux. Il y avait une très, très belle célébration. C'est magnifique. Et après, j'ai fait 6 années au Lamentin. Mais avant ça, j'ai fait 1 année à Paris pour ma dernière année de théologie. J'ai demandé à l'évêque de ne pas retourner à Rome parce que j'en avais assez vu de Rome. Et donc, il y avait le Concile Vatican. Concile Vatican II, ça a fait émerger tous les conflits, toutes les idéologies. Le Concile Vatican qui était censé être un concile réformiste, qui voulait moderniser l'Église. L'Église, voilà. Et donc, des remises en question sur le plan philosophique, sur le plan théologique, liturgique, catéchétique, et également sur le plan des relations entre les différentes religions œcuméniques. Donc, j'ai vécu ces années-là à Rome qui étaient extrêmement riches, mais où je me posais de plus en plus de questions. Et donc, j'ai demandé à l'évêque de ne pas retourner à Rome, parce que j'en avais assez, et d'aller à Paris, à l'Institut catholique, où j'ai fait 1 année de théologie, où j'ai découvert plein de choses, plein de nouvelles choses, nouvelles orientations qui allaient dans le sens de Vatican II. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Alors, on va retrouver sur la photo suivante, moi, j'ai appelé ça la course au tambour. Vous alliez, en fait... vers Thierville, parce qu'au-delà du fait que vous officiez à ce moment-là en tant que prêtre, vous êtes beaucoup aussi occupé des jeunes. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une fois, en 1966, quand je suis arrivé ici pour mon service militaire, le Concile Vatican II nous poussait à faire en sorte que nos liturgies soient des liturgies qui prennent
qui prennent la dimension de, et la couleur, j'allais dire, ouais, de la culture locale. Bien sûr. Et moi, je n'étais pas suffisamment ouvert sur ma culture. Et par conséquent, lorsqu'il y a eu cette ouverture, j'ai commencé à... j'ai fait la messe tam-tam, une messe en on va créole, en parler juste tout à l'heure, après, voilà. Et puis les psaumes en créole. Et là, c'est, avec les jeunes, nous avons commencé à mettre le tambour en jeu. Et là, c'était un groupe de jeunes qui étaient de Saint-Christophe, Sainte-Thérèse. Et nous avions un pèlerinage, je crois que nous allions à Thierville à l'époque, pour pouvoir célébrer quelque chose autour de l'hôtel des moines, ce qui n'était pas une petite affaire. Et donc, ça, c'est des groupes que dont je reconnais d'ailleurs les visages. Et puis, il y a eu d'autres moments festifs, comme ce méchoui. Alors là, c'est déjà... On vous voyait à l'œuvre. Exact. C'est-à-dire, là, c'était déjà... nous étions déjà au Lamantin. C'est-à-dire que nous faisions partie... j'avais créé un certain nombre de groupes, pas moi seulement d'ailleurs, des groupes, ils appellent des groupes de ils appellent ça les équipes ouvrières. Et parmi les équipes ouvrières, il y avait donc des gens de tout métier. On se réunissait pour échanger, discuter, réfléchir sur l'évangile, le sens de l'évangile, etc. Et de temps en temps, on faisait une soirée, et là, c'était une soirée, ou plutôt une sortie, et là, c'était une sortie à la Pointe-Lamarre, chez les parents, je crois. Et donc, vous le disiez, vous avez officié pendant 6 ans sur la paroisse du Lamantin. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, vous avez commencé à vous questionner, et vous êtes entré dans une période, on va vous retrouver là, avec, on va voir la photo, cette photo très, très sérieuse d'Antoine Maxime. Oui. Et vous disiez que c'est la période où vous avez commencé vraiment à vous poser des questions. C'est-à-dire que les questions se sont posées au fur et à mesure, grâce au Concile d'ailleurs, qui nous ouvrait sur tout simplement l'humain. Et donc, pendant toutes les années où j'ai travaillé, on peut dire, dans la paroisse du Lamantin, les questions continuent à se poser. Et sur le statut, sur mon statut, sur le rôle que je joue, sur ma fonction, sur le lien entre ce que je dis et ce que je fais, ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Et donc, toutes ces questions-là se sont posées tout au long de ces années. Et vous n'étiez pas le seul. Il y a beaucoup de vos collègues prêtres martiniquais qui se posaient des questions. Ah oui, nous étions tous en train de nous poser les mêmes questions. Et donc, à partir du moment où on commençait à ouvrir nos yeux, et donc on sortait un petit peu du carcan, et nécessairement, ce questionnement-là nous amenait à nous demander est-ce que le fait... Et on remettait en question, justement, le statut de célibat ecclésiastique, qui nous coupait un petit peu du monde. Et donc, la question de la profession et de la question de notre dimension amoureuse, sexuelle, humaine, eh bien, ça nous posait des questions et ça nous poussait à nous engager dans un sens ou dans un autre. D'autres considéraient qu'ils pouvaient très bien rester là-dedans comme ils... Ça, c'était de leur choix. Mais nous étions une bonne dizaine à nous poser les mêmes questions. Et là, à un moment donné, il a fallu que je parte. Et alors, ça, il y a eu une année à Saint-Christophe. À Saint-Christophe. L'année 74, on va avoir la photo de l'église. Oui. Et c'est aussi l'année des événements de Chalvet. Oui, c'est à fait, exactement. Qui ont contribué aussi à vous poser des questions sur la société dans laquelle on vivait. Nous étions toute une équipe, l'équipe de Sainte-Thérèse, dont je parle beaucoup dans mon livre. L'équipe de Sainte-Thérèse, avec Victor Opermal en particulier, puis Germain Beaubrun, Jean de Coulanges, et on se posait les mêmes questions, c'est-à-dire, quel est le message que l'Église donne lorsqu'il y a, par exemple, des événements comme Chalvet? Quel est son rôle? Quelle prise donc, Chalvet, c'était une révolte d'ouvriers agricoles qui a été réprimée dans le sang. Réprimée, il y a eu des morts. Voilà, il y a eu le mamie, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une des chansons de Colobars. Exactement. Et donc, nous avons pris conscience qu'il fallait que notre Église se positionne. Et non pas du côté de ceux qui font tirer sur les gens, de ceux qui ont le pouvoir d'exploiter les gens, mais de ceux qui sont ouvriers et qui ont le droit de dire, voilà, on est exploité, on a besoin. Oui. Et donc, toute cette lutte-là, et surtout l'événement où il y a eu quand même, on a tiré sur les ouvriers, ce n'est pas la première fois, ça nous a ouvert les yeux pour voir aussi que dans le passé, les mêmes choses se faisaient, les mêmes choses se reproduisaient. Donc, on prenait position, on a pris position, on a rencontré notre évêque Marie-Sainte à l'époque pour lui dire, il faut prendre position, on ne peut pas rester là, la bouche fermée. Et je me souviens, le dimanche après les événements de Chalvet, quand nous avons parlé, quand j'ai fait l'homélie, je sais qu'il y a des gens que je connaissais très bien qui faisaient partie des mouvements, disons, de droite,
ces gens-là ont quitté l'église en, en gouspétant. Ouais, ouais. Et toute puis, la journée, j'ai eu droit à des coups de fil pour me menacer. Ouais. Et puis, vous avez décidé de prendre du recul avec, oui. avec l'église et vous vous êtes retrouvé dans ce pays, la Belgique. Oui, alors j'ai pris position par rapport au clergé. Parce que l'église, c'est une chose, le clergé, c'est... je faisais partie du clergé qui fait partie de l'église, bien sûr. Mais pour moi, ce qui est important, c'est... d'accepter de me poser des questions, de me dire est-ce que agir comme ça, continuer à agir comme ça dans le clergé, c'est quelque chose qui a encore du sens. Mmh. Et là, ça a été une année très difficile parce que quand on se pose des questions à cet âge-là, 35 ans à peu près, et qu'on commence à se poser des questions, bien sûr, il faut savoir ce que l'on va faire de sa vie. Et donc, questionnement, angoisse, solitude, rejet, regard des gens, jugement des gens, à distance déjà, parce qu'on imagine ce que les gens pensent de vous. Et après, quand il s'agit de sauter le pas et de dire, voilà, je quitte le clergé, ça, c'était pas une petite affaire, parce que je n'avais rien en main à l'époque. Et donc, la Belgique a été une année très difficile. On arrive à la rubrique politique, la dernière rubrique de cette émission, et on va reparler notamment d'un certain nombre d'initiatives que vous avez prises qui ont changé le regard sur l'Église politique. On commence à entendre Maxime avec, avec une photo de ce monsieur, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous et avec qui vous avez introduit le créole et le tambour dans l'Église. Oui, tout à fait. C'est Louis Elie, oui, qui a été à Rome avec moi, pas dans le même séminaire. Et Louis, qui n'est pas du tout du même milieu que moi, hein, complètement différent, mais on est devenus très vite amis. Et lorsque je suis revenu en Martinique, j'ai fait beaucoup de chants chorales avec lui. Mais avant même, de 64 à 66, lorsque j'ai composé donc, la messe tam-tam et puis les chants... On va voir d'ailleurs justement la couverture, du disque de cette fameuse messe tam-tam. Alors tam-tam, ça pouvait un peu laisser à des Oui, à l'époque, du on pouvait dire voilà. ça. C'est ça. Mais en fait, c'était clairement, c'est écrit dessus, des messes en créole. C'était une messe, c'était une révolution à l'époque, dans le sens du concile. Et d'ailleurs, Labridi, c'est lui qui a fait la pochette. Et nous voulions que notre chant créole, pas le chant, pas la musique, pas les paroles seulement, mais que la musique, la culture, le tambour, les tibois, le chacha, et ça, entre dans notre expression liturgique. Et donc, ça a été la messe tam-tam. J'ai fait ça avec Elie. Et je crois que sans lui, je ne pense pas que j'aurais fait les CD. J'aurais peut-être fait des choses, mais lui, il a été l'organisateur de tout ça. Et on a sorti la messe créole. On a sorti les deux CD des psaumes en créole. Oui. Mais avant ça, il y a eu aussi les chorales. Parce que alors, c'est avec les chorales que vous faisiez. Et avec Elie, grâce... On retrouve une photo de vous relativement récente en chef de chorale. Oui. Mais en réalité, voilà, il y a eu aussi la rencontre avec le Père Elie. Ça a été aussi la relance pour vous. Oui. Des chorales, puisque vous aviez déjà dirigé des chorales, y compris même à Rome, je crois. À Rome, j'ai dirigé la chorale, mais du chant grégorien. Oui, c'est ça. Et arrivé ici, donc en latin, avec Elie, qui organisait des rallyes chorales dans toutes les paroisses, c'était magnifique ce qu'on faisait là. Et on a justement profité de ces rallyes pour pouvoir chanter pour la première fois en 1966 le chant, la messe tam-tam, ce qui a évidemment choqué énormément de gens, mais emballé beaucoup de jeunes. Oui. Et donc, c'est avec Elie, on a vraiment... Et après, j'ai profité du fait que j'avais travaillé avec lui en chorale pour participer pendant quelques années à l'animation de la chorale de Sainte-Thérèse. Oui. Et il y a eu ces deux disques, d'abord avec la chorale du Lamentin, on va voir les pochettes. Oui. Voilà. Donc, que vous appeliez cantique créole. Cantique créole, c'est-à-dire des chants en créole avec notre tambour, le chacha et le tibois. Et là, ça a été encore pire parce que les gens disaient « Qui m'en y a ces boucles à Cafel, créole en créole dans l'église Bondier ?» C'était un sacrilège tambour, pour beaucoup. C'est un sacrilège, quoi. « Bah, Viennec, bah, l'Afrique, etc. Ouais. » Et donc, pour nous, en 66, c'était une révolution, mais il fallait qu'on le fasse. Et on l'a fait. Alors, Louis Elie a été, je pense, celui qui m'a aidé à continuer. Et nous avions rencontré, d'ailleurs, Mademoiselle Nardal, Paulette Nardal, qui nous a beaucoup encouragé à continuer cette affaire-là. Et vous avez été les précurseurs de ce qu'on appelle depuis quelques années le Bellay l'Église. Alors après, toute l'équipe des prêtres actuels de Bellay l'Église ont repris ce travail-là pour en faire d'ailleurs une œuvre d'art, parce que le Bellay l'Église, c'est très très beau à voir et à entendre, hein,
mais je ne vois pas comment est-ce que ça peut se chanter dans les églises. Ouais, ouais. Et donc, ils ont pris la relève pour justement promotionner, mettre en valeur justement notre, alors le vrai, nos danses, quoi, la danse, le ballet, et puis pas seulement la musique, le tambour, mais également la danse. Ouais. Et puis, il y a eu donc ce disque enregistré en live à l'époque, hein, le Missa Antilla. Ou la Missa Antilla, pardon. Alors, c'est en 1971, Louis Ely, qui continuait à collaborer avec un certain nombre de gens, il a profité d'un passage d'un prêtre qui faisait beaucoup de musique, jazzy en France, mais liturgique. Et il est venu en Martinique et nous avons fait ensemble sa Missa Antilla, où il y a eu justement plusieurs morceaux de moi, le Gloria, l'Alléluia, etc. Alors, 1976, Antoine Maxime, vous quittez le clergé. Oui. Et vous changez radicalement de vie. Oui. Et vous devenez, on va voir une photo de livre que vous avez écrit et également d'un programme de livret de l'ADAPEI. Vous intégrez donc l'ADAPEI en tant qu'assistant de service social. Oui. C'est-à-dire, une fois que j'ai décidé de quitter le clergé, il fallait que je trouve un travail. Donc j'ai d'abord travaillé un mois chez Fernand Nathan à mettre des bouquins dans une boîte. Je dis ça à chaque fois, mais c'est quand même pas rien. Après, j'ai travaillé à la procure du clergé à Paris pendant une année, à vendre des bouquins et à instaurer aussi un coin anti-Afrique dans cette librairie. Et ensuite, j'ai dit, bon, je vais pas rester en France, il faut que je fasse une formation. Et grâce à une amie que je n'oublierai jamais, elle m'a dit, mais Antoine, tu ferais un bon assistant social. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Mais bon, je suis entré à l'école normale sociale, j'ai fait 3 années d'études. Et je suis devenu assistant de service social. Et une fois terminé, nous sommes partis en famille. Marie-Flore, mes 2 enfants, j'avais que 2 enfants à ce moment-là, nous sommes revenus en Martinique et je suis en tout cas à l'ADAPEI. Et j'ai fait 24 ans dans cet établissement. Et avec de grands moments, comme ces 60 ans qu'on va retrouver sur cette photo où vous étiez en fait en train d'honorer des personnes handicapées. Oui, c'était lors d'un anniversaire, mais c'est surtout Corinne et sa mère, qui était une amie et qui était justement administrateur à l'ADAPEI et qui a d'ailleurs créé tout un établissement pour les personnes à mobilité réduite et tout ça. Et à l'ADAPEI, c'était effectivement c'est une association qui s'occupe d'enfants porteurs de handicaps mentaux. Et donc, le boulot que j'ai fait à l'ADAPEI, c'est plutôt mobiliser les parents, les organiser, organiser des actions comme les journées d'amitié avec André Beauchin et compagnie, en fait toute la bande. Et nous avions mis en place des ateliers occupationnels pour accueillir des enfants qui ne pouvaient pas aller dans les institutions classiques. Et donc pendant ces 24 ans-là, j'ai donné énormément et j'ai écrit ces 3 ouvrages parce que je me suis aperçu que dans le domaine de l'enfance inadaptée et du handicap, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Donc j'ai donné la parole aux parents et j'ai donc sorti le désespoir en 2 mots. Ensuite, j'ai mis en valeur, à la demande du président Kéclard, en valeur M. Pélage, qui était le président de l'ADAPEI. Et puis, j'ai participé avec François Edouard à la revue ADAPEI, pour je crois que c'était les 15 ans de l'ADAPEI. Et nous avons fait un travail extraordinaire. Et je salue tous les parents en passant qui ont pu travailler avec nous et qui ont mis en place ces ateliers. Et tous les amis qui ont participé aux journées d'amitié de l'ADAPEI de l'époque. Et puis un autre monsieur à qui vous vouliez rendre hommage, Michel Yoyot, avec qui vous avez connu la période du CEDIF. Ah oui, alors le CEDIF, c'est une photo de RCI, je précise. Oui. Depuis les années 80, j'ai commencé par faire une formation de psychosociologue pendant 3 années. Et ensuite, j'ai commencé à intervenir au CEDIF pour animer des stages dans l'éducation nationale avec les infirmières, les éducatrices, enfin, une série de gens. Et Michel Yoyot a été vraiment notre leader, celui qui a créé le CEDIF, qui nous a portés, Qu'est-ce que c'était que le CEDIF, alors? C'est un centre d'études, de documentation, d'information familiale et de formation qui permettait... On va voir d'ailleurs le catalogue. Oui, aux Martiniquais de se positionner par rapport à la loi Neuwirth, qui voulait en fait, distribuer des contraceptifs aux jeunes. Ouais. Et le CEDIF a dit non, nous allons éduquer nos familles, nous allons permettre aux familles d'éduquer leurs enfants.
Et pour cela, il fallait que nous nous formions. Et c'est comme ça que je suis entré dans cette école de formation, pour me former. On va vous retrouver d'ailleurs avec, avec votre promotion de la gestalt-thérapie. Alors, le CEDIF a mis en place la formation de gestalt-thérapie. Et j'ai eu l'occasion de me former. Gestalt-thérapie, c'est de la formation de psychothérapie. De psychothérapeute. Et alors, les enseignants, les formateurs sont venus en Martinique pendant 3 ans. Et nous étions une bonne trentaine à nous former à la psychothérapie gestaltiste. Bon, c'est pas dramatique, hein, c'est quelque chose de... Gestalt, ça fait un truc bizarre, ça fait un peu secte, hein, c'est pas ça. C'est un terme allemand. C'est vraiment quelque chose, un terme allemand qui veut dire permettre de mettre en forme les difficultés que l'on peut avoir. Et là, c'était un stage international que j'ai fait avec Jeanne, et en France, et ça nous a énormément apporté, parce qu'il y avait au moins 7 pays différents. Et y compris des Indiens, des Hindous, des choses comme ça. Et vous êtes aujourd'hui psychothérapeute, on va voir votre plaque. Depuis combien de temps vous exercez en tant que psychothérapeute ? Alors j'ai commencé à exercer depuis que j'ai reçu mon autorisation de l'école parisienne de Gestalt. Et donc j'ai commencé quand j'étais encore à l'ADAPI, de temps en temps. Et une fois que j'ai pris ma retraite en 2003, j'ai ouvert mon cabinet. Et depuis 2003, je reçois des individus, je reçois des couples avec Jeanne, j'anime des groupes de formation. Et donc avec Jeanne, vous nous rappelez ? Jeanne, ma femme. Et nous avons, je crois que ça a peut-être mis des idées dans la tête de ma fille, puisqu'elle fait également de la thérapie, mais pas de la gestalt. On va terminer, Antoine Maxime, avec la séquence de l'auteur, puisque vous écrivez, vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages. On va commencer par celui-ci, qui est le premier, de la Martinique au vent du large, où vous expliquez un petit peu, le sous-titre, Mes chemins de liberté. Voilà. Un petit peu de la période où vous avez quitté l'Église, c'est ça ? J'ai repris tout mon chemin, c'est-à-dire de là où je suis parti, jusqu'à ce que j'ai la liberté de choisir autre chose. Oui. Et donc j'explique ça, mais c'est centré sur moi. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour moi, parce que des gens me disaient, mais vous partez, mais vous quittez le clergé, mais vous ne dites rien. Et là, il fallait que je dise, et je l'ai dit. Vous avez publié aussi 2 ouvrages sur des chroniques que vous réalisiez sur Radio Caraïbe Internationale, que vous réalisez encore d'ailleurs aujourd'hui. Oui, depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et donc il y a eu 2 ouvrages sur ces chroniques. Oui, Ce sont des chroniques sur la vie, sur votre oui, regard sur la vie. Sur la vie oui, c'est ça, des questionnements autour de ce qui se passe autour de nous dans notre pays. Et à tout point de vue, que ce soit politique, économique, social, religieux, tout ce qui me parle, j'essaye d'y réfléchir et de communiquer, de parler ça aux gens, de partager avec les gens qui le veulent. Et puis avant de parler de cet ouvrage, Mon itinéraire dans l'Église, 2 photos importantes que vous avez voulu qu'on diffuse. D'abord, ça c'est une photo du clergé dans les années 50-60. 50-60. On aperçoit le père Jean-Michel d'ailleurs tout à gauche. Oui, tout à fait, Jean-Michel. Il y a Morlan, il y a d'ailleurs Monseigneur de la Brunelle hier, Monseigneur Hubert, il y a Lavigne, il y a celui du Coumande, Coquette, enfin, je les connais tous là. Oui. Et donc ce sont des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai cheminé, certains j'ai fréquenté un petit peu plus, comme Goma, avec qui j'ai travaillé. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs courants idéologiques et que ce clergé-là signifiait quelque chose dans le pays. Et c'est pour ça qu'il y a eu des gens comme que j'ai cité dans mon bouquin, dans le nouveau livre, des gens qui ont marqué la Martinique. Et je voulais souligner ça, parce que je peux très bien avoir quitté le clergé, mais reconnaître que dans ce monde-là, il y a eu des gens qui ont apporté beaucoup à la Martinique. Et puis un questionnement aussi, on va le voir sur la photo suivante, par rapport à l'engagement politique de Georges Zahir, qui était un prêtre. C'est un prêtre. Et auquel le Parti progressiste martiniquais avait proposé d'être sur une liste du conseil municipal. Et est devenu conseiller municipal. Mmh. Alors Georges a été d'abord président de l'aumônier de la FAGEC en France pendant des années. Fédération des Antillais-Guyanais chrétiens. Et ils ont, il est revenu en Martinique. Il a été d'abord, à Casse-Pilote. Et puis ensuite, il a décidé de répondre à la demande de Césaire.
Et ça a évidemment fait un boom, un traité de tous les noms, parce qu'ils s'engageaient, ils quittaient un peu le clergé, pas le clergé, mais ils s'engageaient dans un endroit où ils pouvaient encore aider les gens. En général, la séparation veut que, entre l'Église et l'État, donc entre la religion et la politique, il y a soi-disant apolitique. Il a dit non, il a choisi, il n'a pas demandé la bénédiction de l'évêque, il a demandé l'autorisation de l'évêque, qui a dit, écoutez, il est libre de faire ce qu'il fait. Mais il n'a pas fait des amis, fait des amis. Bien sûr. Et donc, on va retrouver la couverture de cet ouvrage que vous venez de publier, donc Mon itinéraire dans l'église de Martinique, dans lequel vous reparlez un petit peu de tout ça. Oui. Et vous racontez aussi tout ce cheminement d'implication, d'engagement dans l'église, mais aussi progressivement de prise de conscience. Voilà, je crois que c'est ça qui est important dans ce nouvel ouvrage. Je reprends un peu mes chemins de liberté, justement, mais je le resitue davantage dans mon contexte. Par exemple, je parle davantage de Saint-Pierre, de prêcheurs, je parle davantage de personnes que j'ai rencontrées. Vous parliez de cette Martinique à la fois de classe et de race. Vous découvriez, Voilà, les événements, comme pas seulement Chalvé, mais il y a également les événements de fabrique, etc. Enfin, je resitue mon cheminement dans le contexte sociopolitique de l'époque, et puis à quel moment, comment est-ce que parfois j'étais à côté de tout cela, et qu'il fallait que je me remette en question pour que mes choix correspondent à ce que moi, je veux faire. Oui, et vous rendez hommage dans cet ouvrage au père Élie, Louis Élie, au père de Coulanges, Jean de Coulanges, à Paulette Nardal, au révérend père Pinchon aussi, que vous évoquez. Bien sûr, à des spiritains, à tous mes copains, Galap, Desgrottes, tous ces copains avec qui j'ai parlé, Victor Permal. Et donc, il faut parler des personnes et ce qu'ils ont fait et ce que j'ai fait avec. Je parle en particulier du camp de travail que nous avons fait ensemble. Et je suis très heureux, en tout cas, de proposer à notre population, à notre peuple, ce nouvel itinéraire. Et je note ce passage sur la messe Tam-Tam, Tambou et Tibois, avec notamment la résistance que vous avez ressentie de la part de beaucoup, souvent plus des locaux que de la part des prêtres qui venaient de l'extérieur, qui, eux, vous encourageaient. Tout à fait. Et on vous accusait de vouloir revenir sur l'esclavage. Voilà. On vous disait ces bagailles viennègres. Exactement. Et je crois que c'était important que nous puissions poser des actes qui puissent porter. Antoine Maxime, merci beaucoup d'avoir retracé ce parcours, je le disais, atypique. Oui, c'est vrai. Vous le reconnaissez. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez, on peut le dire, plus de 80 ans, et vous êtes encore très actif et vous n'avez pas l'intention de vous arrêter. Non. Tant que ma santé me le permet, oui. Je suis à la mission locale que je salue en passant. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Antoine Maxime. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers Itata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain César Fenou. Très bonne soirée ou très bonne journée.